Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Horizon Zero Dawn, et donc on s'était arrêté ici. On avait des soucis de vie. Commencer. Hadès lance la transmission. Le signal. Il a dû franchir les défenses. L'avant-garde des Rennes. Il faut que j'arrive là-haut. C'est à l'œil! Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. Pas le choix. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, hein? Bien sûr. Le démon de métal doit mourir. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurai plus l'occasion.
L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte. Prioritaire. On s'en tirait pas toute seule.
mission. Fais ta mission, Aloy. C'est où? C'est là-bas. Putain de merde. Menace système imminente. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les... 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts, parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti?
Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit : Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur ? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit ? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit curieuse et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Bref, ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain. Ça va peut-être vous surprendre, mais au niveau de la note, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Alors pourquoi ? Parce que malheureusement, j'ai pas accroché au jeu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression de jouer à des jeux Ubisoft et Unslaved et aussi à The Witcher 3. Et moi ça me dérange parce que j'ai besoin dans un jeu, si vous voulez, vous pouvez prendre bien évidemment des idées ailleurs. Pour moi je trouve que c'est pas dérangeant. Mais quand on prend tout le gameplay sur ces différents jeux que j'ai cités, hein, Assassin's Creed, Far Cry Primal surtout, Unslaved, pour tout ce qui est au niveau de l'histoire, c'est exactement le même speech. On a des features qu'on a dans The Witcher 3. Moi je trouve ça dommage parce que pour moi, une équipe de développeurs doit inventer quelque chose dans un jeu en fait qu'il n'y a pas ailleurs. Je sais que c'est pas forcément facile maintenant parce que t'as plein de jeux et plein de mécaniques qui ont été déjà créées, mais voilà, pas se reposer sur les jeux des autres et les mettre en avant dans son propre gameplay. Alors certes, c'est assez réussi pour de la console, hein. Franchement c'est joli, on voit bien que c'est le moteur de de Killzone du tout dernier sur PS4. Au niveau de la vue, on voit pas très loin, forcément, console oblige. On a un peu du clipping, si on regarde bien. Et on a un brouillard beaucoup trop présent. Mais le jeu est agréable visuellement. Mais on peut pas dire non plus que le jeu surpasse tout ce qui a été fait graphiquement. Au niveau du gameplay, ce qui est dommage, c'est que les combats au corps à corps sont complètement loupés. C'est-à-dire qu'on a le même syndrome que dans Far Cry Primal. L'intelligence artificielle complètement foireuse aussi. Au niveau de l'histoire, elle était plutôt pas mal, même si le déroulement de la situation, tu le sentais dès le début. Tu voyais comment ça allait se terminer. Mais ça se suivait. Au niveau de tout ce qui est voix, les voix françaises sont pas dans la bonne intonation de temps en temps. Et le gros problème, c'est la synchro labiale. Vous savez, quand on parle et que la bouche bouge tout ça, elle n'est pas synchronisée assez bien avec la langue française. Ce qui fait que des fois, c'est pas très agréable à regarder. Et au niveau de tout ce qui est souffle, genre quand un personnage suffoque, le micro a été vraiment posé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais vraiment à un millimètre de la
la bouche. C'est pas possible autrement. Et du coup, bah, ça fait un effet dégueulasse. Ça fait mal au tympan. Quand ils ont monté tout ça, ils auraient pu atténuer le son. Je pense que ça serait mieux passé. Pourquoi l'avoir mis aussi fort? Je ne sais pas, parce que personne souffle autant comme ça, quoi. C'est pas... enfin, moi, personnellement, j'ai jamais entendu personne souffler comme ça. Même un asthmatique ne souffle pas autant, quoi. Je comprends pas. Sinon, ça, c'était pour tous les points négatifs. Pour le reste, bah... on a des achats, du craft d'armes, etc. qu'on a partout ailleurs. Donc ce jeu, malheureusement, n'invente rien. Hein, je veux dire, il y a rien qui a été inventé. Et c'est bien dommage. C'est pour ça que ce jeu, je peux pas lui mettre plus si vous voulez. Parce que pour moi, il a vraiment aucune âme en fait. Il s'est contenté de copier sur les autres. Bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai quand même apprécié le jeu, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est pas parce que j'ai farmé les missions principales de A à Z, j'ai pas fait les secondaires. Je pourrais pas vous dire si elles sont bien ou pas. En tout cas, niveau durée de vie, c'est un gros plus, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc franchement, vous en avez pour beaucoup d'heures de jeu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Let's Play. Bye bye. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé? Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Allez, commençons.